Là, 50 ans, ben, moi, je travaille comme bonne malade. Mais avant, moi, je travaillais au restaurant. Mais alors, on va dire comme ça, qui ça métier restaurant-là pour moi, pour pas être trop intéressé. Mais par contre, moi, je faisais un travail parce que moi, je donnais besoin. Mais après, moi, j'ai envie d'essayer un travail. Disons que moi, je me dis bonne malade. Ben, comment on commence ça? Moi, j'ai 8 ans d'expérience. Ben, moi, tout le monde, mon sentiment bien avec ce travail-là, mais un travail qui est assez difficile. Parce qu'il y en a des fois qui ont un malade qui reste jusqu'à 3 ans, 4 ans, au lit, ou bien vous autres, ou bien là vous autres, ou bien sans autres, ben faire des tours avec vous autres. Et par contre, vous mettre une petite cuillère à manger, trois enfants, vous faire des enfants manger. Mais il y a un travail vraiment, il n'est pas facile. Mais moi, par contre, vous trouvez que si vous êtes dans la foi, si vous comptez ce travail-là, rien possible. Et voilà, ben, moi, vous trouvez que. Je suis bien content de mon travail. À ce moment-là, je gagne assez de temps parce que je gagne une maman qui a 84 ans, qui lui aussi a une diminution diabétique et il a une tension. Mais dans la journée, je ne suis pas capable de travailler du tout parce que je suis obligé de faire un peu de tout avec lui. Je suis obligé de se manger, de se lever. Et je suis obligé, quand il y a un rendez-vous à l'hôpital, je suis obligé de faire un suivi, ce rendez-vous pas raté. Mais ça, je gagne bien le temps pour me faire mon travail comme bonne malade des soirs. Ben, parce que je trouvais un travail comme ça qui beaucoup de monde qui vraiment n'est pas facile pour travailler. Il est bien, bien difficile. Mais parce que ça va une personne là qui veut vraiment voulait qu'ils aient des enfants, tu à mes autres dans le home. Mais alors, depuis qu'ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont contents, ils ont des dans la case. Mais pas tenacé jusqu'à maintenant, bonne personne, pour travailler comme mon travail. Parce que les vieilles personnes sont contentes, elles sont à l'aise. Mais moi, je trouvais que je suis bien béni pour ces vieilles personnes-là, pour ce service qu'ils m'ont rendu là. Mais je trouve ça bien intéressant et je suis contente de sentir l'appel avec toutes les personnes. Mais quand je suis dans une maman ou dans un papa vieux, mais il ne faudrait pas prendre à mes yeux dans le home. Mais si tu n'as pas trouvé une personne pour rester avec eux dans la case, pour occuper eux, ben, je trouve ça plus bien parce que je trouve ma personne qui me travaille. Je sens toujours bien heureuse, heureuse. Et pour compte, moi, je fais un travail avec trois madames. Mais là, maintenant, je travaille avec un monsieur de 93 ans. Ben, je trouvais qu'il y a une la joie. Il y a une la joie de vivre. Parce qu'il est allé à comment dire, du monde qui est sorti découragé. Parce qu'il était sorti seul. Mais là, depuis mon travail avec lui, je trouve lui, comment dire, il retrouve la joie. Il retrouve le sourire. Mais moi, je trouve ça un travail bien intéressant. Mais je gagne assez de temps pour occuper un peu mon maman. Un peu de tout.